Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, vous qui nous écoutez de façon régulière et de façon assidue, donc sur YouTube. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir au travers de la prédication que vous allez entendre maintenant. Eh bien, il est fort possible que des âmes soient délivrées, que des âmes soient percutées par le message de l'Évangile. Et particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de ce problème grave que notre société vit. C'est le problème de l'alcoolisme, l'ivrognerie, qui est évidemment, je dirais, jugulée d'une certaine manière avec la drogue. Et on sait particulièrement qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une génération de drogués, d'alcooliques, d'ivrognes, et nous avons besoin de savoir ce que la parole de Dieu déclare à ce sujet-là. Vous savez que la Bible a la réponse à tous les problèmes sociétaires et ce problème-là est très grave. Alors, j'ai intitulé ce message « Attention, danger ». Attention, danger, on pourrait ajouter « N'approchez pas ». N'approchez pas. Et nous allons particulièrement lire un passage dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20. Livre des Proverbes, chapitre 20, nous allons lire un seul verset, le verset premier. Proverbes, chapitre 20, verset premier, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Je répète le verset. Le vin, ou tout alcool qu'on puisse nommer, le vin est moqueur et les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque, n'importe qui, en fait excès n'est pas sage. Seigneur, te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs, de bénir ce que nous allons entendre durant les moments qui vont suivre. Je te demande, Seigneur, particulièrement de casser les chaînes, de pulvériser, Seigneur, ceux qui sont liés par ce lien qui est l'alcoolisme, l'ivrognerie, la drogue. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et te demandons particulièrement d'appliquer ton sang sur ces cœurs, ces personnes qui désirent du fond de leur cœur leur délivrance. Nous demandons cela dans le nom puissant du seul et unique sauveur sur la planète, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, le titre, évidemment, est très évocateur. Attention, danger, hein, et n'approchez pas. C'est à peu près comme si vous arriviez devant une centrale nucléaire et vous aviez à peu près les mêmes signaux donc sur les barrières. N'approchez pas. Et j'aimerais vous dire que l'alcool, d'une certaine manière, eh bien, nous devons y faire très attention. Boire de l'alcool, aujourd'hui, est devenu quelque chose de... Je dirais, aucun problème, une sorte de présomption et avec orgueil, hein, eh bien, on va lever son verre dans la plupart des pays du monde. C'est certain que les conditions, je dirais, actuelles ne sont pas du tout celles qui existaient du temps de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, par exemple, a écrit dans la Bible à Timothée, et Timothée avait certains problèmes gastriques, certains problèmes intestinaux, peut-être de digestion, je ne sais pas. Et l'apôtre Paul a donné un conseil à Timothée. Et il va lui dire, ne continue pas à boire seulement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc on voit que là, Timothée, jeune pasteur, jeune ouvrier dans l'œuvre du Seigneur, avait quelques problèmes donc de ce côté-là. Et l'apôtre Paul donc lui a dit de faire usage et n'oubliez pas un peu. Il n'a pas dit de s'enivrer, donc un peu de vin.
Aujourd'hui, évidemment, les 2000 ans après, on sait que les progrès hygiéniques sont allés, je dirais, bien plus loin qu'il y a 2000 ans. Et partout, nous avons de la bonne eau, nous avons du lait, nous avons des jus de fruits, nous avons des boissons non alcoolisées très disponibles pour nous. Alors, évidemment, ce que nous devons voir avec l'alcool, lorsqu'il se présente sous l'aspect de diversion, de s'enivrer, eh bien, nous n'avons pas à faire face à un besoin. Ce n'est pas un besoin de s'enivrer. Voyez, la Bible dit dans le Nouveau Testament, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Et la Bible dit qu'aucun débauché n'entre dans le ciel. Donc, on a besoin, évidemment, de retourner à la parole, ce que la parole de Dieu est en train de nous déclarer. Quand on m'invite à m'enivrer, à boire, hein, coupe, je te remplis, coupe, je te vide, ainsi de suite. Quand on m'invite dans ce genre d'atmosphère-là, eh bien, on m'invite à quoi? On m'invite à une séduction. On m'invite à une séduction, à trouver du plaisir, à tenir dans ma main un symbole, des verres très beaux, mais remplis donc de ce liquide, soit qu'il soit rouge, soit qu'il soit blanc, ça n'a aucune importance. On m'invite à tenir dans ma main un symbole, à me permettre une fantaisie, à céder, à abandonner, à lâcher, à me satisfaire. Et si je le fais, eh bien, je suis en train de poser le pied sur un terrain fangeux, très douteux. Je prends une chance, mais c'est une chance trop grande, selon le témoignage, évidemment, de ceux et celles qui sont allés sur cette route. Hélas, trois fois, hélas, le premier verre peut devenir, se métamorphoser en menottes. Et on peut dire cela, évidemment, du côté de la drogue. L'alcool et la drogue marchent ensemble, je dirais, dans un chemin parallèle. Et le premier verre, donc, peut devenir un enfer. Le premier verre peut paver littéralement le chemin vers une vie d'alcoolisme. L'abstention, évidemment, c'est bien mieux, je dirais, que de s'enivrer. L'abstention, c'est quelque chose donc de très bien. C'est même mieux que la tempérance, hein, et on est plus en sécurité donc de ce côté-là. On sait particulièrement que l'humanité a été créée par Dieu avec la soif. La soif, hein. Et donc c'est en nous, dans notre corps, généralement, au bout d'un certain temps, on a soif. Et la soif, je dirais, va impliquer tellement de choses, Il va y avoir des conséquences à cette soif. Par exemple, quand Jésus a rencontré la Samaritaine au puits de Samarie, Jésus lui a dit, tu viens ici au puits de Samarie pour puiser de l'eau, Mais moi, a dit Jésus, j'ai une eau, et avec cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Ah, la femme était comme interloquée, et elle a dit à Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi, je veux de cette eau, pour que je n'ai plus besoin de venir. Donc, puis elle ne comprenait pas du tout, évidemment, la signification des paroles spirituelles, à prime abord, donc, du Seigneur. Et Jésus, donc, dans le texte, « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits de Samarie, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif, hein, et que je ne vienne plus puiser ici. » Et là, évidemment, donc, on voit que Jésus est le seul, véritablement, à nous accorder, je dirais, à étancher cette soif-là. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, que Jésus satisfait l'âme assoiffée. La satisfaction,
toi qui es pris par l'alcool ou par la drogue, tu ne seras jamais, jamais satisfait. Donc, il n'y a que le Seigneur Jésus qui apporte une véritable satisfaction durable. Alléluia. Vous savez, si on prend d'autres domaines, par exemple, le domaine de la colère, il y a, je dirais, un point où lorsqu'on est colérique, où on se met en colère, où ça devient péché. Il y a un point où la sexualité aussi peut devenir péché. Il y a un point où l'ambition, l'orgueil peut devenir péché. C'est pareil avec la soif. Est-ce que je peux tourner ma soif vers la gloire de Dieu? Paul a enseigné aux Corinthiens en disant, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que toute notre vie doit être motivée par cela. Tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand je m'enivre, est-ce que quand je prends de la drogue, est-ce que quand je convoite sur la sexualité, est-ce que je dirais c'est à la gloire de Dieu? C'est facile, évidemment, donc, à répondre à la plupart du temps. Donc, tout dans notre vie devrait être motivé de cette façon-là. Tout le reste sera frustration. Tout le reste sera destruction et perte. En réalité, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux que ma vie soit un instrument de Dieu, hein? Est-ce que l'alcool, est-ce que les narcotiques, les drogues, la cigarette, eh bien, peuvent être à la gloire de Dieu? Eh bien, tout cela, généralement, ce que je viens de dire, eh bien, ça va salir et ça va détruire le temple de Dieu. Il y a certaines parties de notre système nerveux qui vont devenir stimulées de façon artificielle et qui vont demander la continuation de cette stimulation. Là, nous avons la pire sorte d'esclavage. La pire sorte d'esclavage. Si c'est votre corps, jeune homme, jeune fille, madame, monsieur, si c'est votre corps qui est le maître, le patron, le boss de votre esprit et de votre volonté, vous êtes en route vers la mort. Vous êtes en route vers la mort. Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit. Donc, quand je vous dis que si on n'a pas le contrôle sur notre corps, sur notre volonté, on est en route vers la mort. Et j'ai vu cela, évidemment, arriver fois après fois dans ma propre vie. Ces péchés du corps, eh bien, peuvent littéralement prendre un professionnel en ville, hein, et le sortir, l'éjecter de la société et faire de lui un rejeté. Ça, c'est l'alcool, la drogue. Un homme d'affaires et en faire un échec total. Un savant même, et le faire déraper dans le ravin, hein, vivant uniquement de soupe de cuisine, hein, et de choses semblables. Ça, c'est l'alcool. Voyez, on a dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 28, un passage qui nous parle de mots comme chanceler, hein, dans l'alcool, des vertiges, vaciller, vomir. Voyez, donc, cela est, on nous en parle dans Ésaïe 28 et au verset 7. Où il est dit à une certaine époque, donc, où il est dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, hein, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés, imbibés, je dirais, par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, imaginez. Ils vacillent en rendant la justice. Donc les juges étaient sous. Hein. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. Ça veut dire plus de place correcte, plus de place propre. Donc, on voit ce que l'alcool, vraiment, est capable de faire. Ça peut écraser totalement un mariage. Ça peut éparpiller
une famille, ça peut remplir le cœur humain de tristesse, ça peut renverser des milliers de vies, je dirais, par année, sur nos routes nationales, sur nos autoroutes. L'alcool peut pousser des femmes vers des tombes, des tombeaux prématurément, et je dirais que l'alcool va clouer, c'est le marteau qui cloue des cercueils, l'alcool, voyez. Donc ça peut répandre le vol, la drogue, la prostitution à une échelle si grande que même les policiers ne peuvent rien y faire. L'alcool va multiplier les orphelins, ça met en danger des vies, ça allume des conflits, ça fait monter dans vos yeux des sanglots. Et je dirais que ça va affaiblir le muscle, je dirais le tendon même de tout un pays pour résister à un éventuel envahisseur. Si vous voulez que faire envahir un pays par un autre peuple, eh bien vous neutralisez votre peuple avec l'alcool, la drogue, la pornographie et des choses semblables. Détruisez la famille et l'envahisseur fera une bouchée, évidemment, d'un tel peuple. Voilà les triomphes de l'alcool, de la drogue, des cigarettes. Alors, j'aimerais parler à monsieur le libéral, madame, je dirais, la libertine. La malédiction de l'alcoolisme se répand bien plus vite que la civilisation et la culture. Les cinq sens du corps sont prêts à ce moment-là pour le marché du péché, quand vous êtes ivre, parfois mort. Je me demande parfois, et je dis en posant la question, si d'une certaine façon nous avions été faits d'une autre manière, arrangés pour que nous puissions, au travers de cette vie, y passer sans avoir un corps. Vous voyez, quelle montagne, je dirais, incalculable de troubles, de péchés, de tristesse, on se serait épargné. Mais on a un corps, et on vit avec un corps. Et la Bible déclare que nous devons savoir, spécialement nous chrétiens, maîtriser notre corps. Et Paul va répéter en disant de ne pas faire une erreur que certains pourraient faire, ne vous y trompez pas. Hein, les ivrognes n'hériteront pas le ciel, le paradis. Les ivrognes n'hériteront pas le ciel. C'est très clair. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Hein. Et je sais une chose, c'est que ce corps, notre corps, a besoin d'être sanctifié. Sanctifié. Même si vous pensez que ce mot biblique est totalement dépassé, eh bien, c'est ce que le Dieu éternel a déclaré. Que notre corps doit être absolument mis à part, sanctifié. C'est vrai, monsieur, l'alcoolisme est un péché. Ce n'est pas une maladie. Voyez comment la société, avec la psychologie, a changé les mots hein, et les situations en disant « c'est un malade, il a besoin d'être guéri, il a besoin d'aller à l'hôpital, il a besoin d'une cure ». Non, c'est un péché. C'est un péché. Le drogué, c'est un pécheur. Hein. Et là, nous avons besoin de délivrance. Ça détruit les familles. Ça détruit les foyers, ça remplit de poisons de toutes sortes, ça engloutit plus d'argent et de fortune que toute autre chose, ça incite au crime, l'alcoolisme, ça va armer des méchants, ça va briser plus de lois que faire pousser des cheveux gris. Ça corrompt, l'ivrogne, bah, est un homme corrompu. Et ça va corrompre plus que ça la moralité. La moralité. On va lire un passage dans Proverbe 23. Proverbe 23. Où au verset 29, on a une description avec les effets de l'alcoolisme, l'alcool. Proverbe 23, verset 29. Pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, ceux qui sont dans les bars,
pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Bon cocktail. Ne regarde pas, nous dit le Saint-Esprit, le vin quand il paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Regardez, verset 32. Il finit à la fin, plus tard, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic, un serpent mortel. Regardez la conséquence. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Tu vas commencer à regarder les femmes des autres. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu vas commencer à dire des choses que tu n'as jamais dit auparavant. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Ça n'a pas de sens. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Pas de sens non plus. Et qu'est-ce que la personne dit? On m'a frappé, je n'ai pas de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Ouais. La parole de Dieu est très claire, elle décrit évidemment de façon, je dirais, crue, mais réelle, donc la vérité. Et j'aimerais vous dire que l'alcool va déchirer, va lacérer des sentiments qui étaient bons auparavant, des gens qui s'aimaient, des gens qui s'étaient jurés fidélité devant Dieu et devant les hommes, et qui, à cause de l'alcool ou de la drogue qui est entrée dans le foyer, eh bien maintenant les sentiments ont été totalement déchirés. Ça mutile même le cœur, ça fait pleurer des mamans, des mères de douleur. Ça va étouffer, éteindre les chants joyeux. Ça va vendre la vertu sur le marché du péché. Ça va dire des mensonges. Ça va détruire la jeunesse. Ça va, je dirais, voiler les veuves de deuil. Ça va exciter les passions. Ça va apporter la disgrâce. Et ça peut annuler toute espérance. Les barrières sont là. Jeunes gens, jeunes filles, les barrières sont là pour vous avertir. Vous savez, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes les fins de semaine, et on voit des jeunes aller avec leur bouteille de vin, avec leur bouteille d'alcool, c'est abominable. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de marcher sur un chemin pavé qui se dirige vers l'enfer. Il y a des intronisations à l'université où des jeunes gens sont tellement ivres de mort qu'ils en meurent la soirée même, où ils ont bu devant les autres pour prouver qu'ils étaient des buveurs. C'est de la débauche totale. Tous ces gens-là descendent en enfer. Imaginez un buveur qui vient devant ses amis en train de boire et de boire et de boire et de boire pour montrer qu'il a une capacité de boisson, qui s'écroule par terre et qui ne se relève pas. Il est descendu pour l'éternité en enfer. C'est quelque chose. On ne peut pas jouer comme cela à la roulette russe. On ne peut pas essayer de mettre notre âme, je dirais, en jeu par rapport à une soirée. L'histoire de Noé nous dit ce qui peut se faire. Noé, un jour, a bu, s'est enivré dans sa tente, il s'est mis tout nu. Ça n'a pas de sens. Lot, qui vivait dans une situation similaire, lui a couché avec ses filles dans une caverne. Et David, lui, il a fait un repas, un souper avec de l'alcool coulant à flot pour enivrer le mari de la femme avec qui il couchait. Pour que lui aille coucher avec sa femme et que le bébé qui allait naître passe pour être celui du mari. Quelle perversion. L'alcool. Ça nous parle d'un langage très fort. C'est que l'offense amène toujours une punition. Cette prédication que vous entendez aujourd'hui, cet enseignement, c'est une prévention. C'est une barrière devant un précipice. Pour vous empêcher, vous protéger, c'est une prévention contre ce péché.
Je respecte le témoignage de quelqu'un qui va dire « Merci Seigneur de ce que tu m'as gardé, préservé du péché. » Je respecte ce genre de témoignage. La personne qui dit « Merci Seigneur de ce qu'il m'a sauvé au milieu de mon péché. » Gloire au Seigneur. Il a sauvé déjà des milliers d'alcooliques, de drogués. Il est capable de le faire pour toi aussi. Il a la même capacité. Vous savez, il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens, qui ont entendu des témoignages en avant de personnes qui étaient passées par la drogue, tout ça, qui avaient été sauvées. Il y a des jeunes chrétiens qui se tenaient bien tranquilles, tout ça, qui suivaient le Seigneur, qui avaient suivi un peu l'école de dimanche, et qui, au fond de leur cœur, assis, en voyant ces témoignages, se sont dit, « Mais moi, je n'ai pas de témoignage. Donc, je vais créer un témoignage. Je vais aller dans le monde et je vais vraiment me saouler, je dirais, pour ne pas dire le mot, je vais vraiment me droguer et comme cela, j'aurai un témoignage et je reviendrai. » Et j'en connais qui ont fait cela depuis des années et ne sont jamais encore revenus. C'est très dangereux de jouer à la roulette russe, de jouer au jeu du péché. N'allez pas essayer de chercher un témoignage de délivrance d'alcool quand vous êtes, je dirais, quand vous êtes sobre et que vous avez marché avec le Seigneur de façon normale. Vous savez, une bouée bien placée dans le chenal, à l'entrée d'un port, ou encore une lampe bien éclairée qui signale au bateau, au navire, le bon passage pour ne pas heurter des écueils en pleine nuit, eh bien, cette lampe ou cette bouée, eh bien, valent bien plus que tous les bateaux de sauvetage qui peuvent être lancés lorsque c'est trop tard. Vous me comprenez. La jeunesse a de fortes impulsions. C'est vrai. La jeunesse veut risquer l'aventure. Mais la même jeunesse a besoin de fortes directions, a besoin de force, de dissuasion. Et la parole de Dieu, le message que vous entendez aujourd'hui, est une force de dissuasion. Éducateurs et parents, construisez cette barrière. La Bible dit, dans Osée chapitre 4, verset 11, la prostitution et le vin font perdre le sens. Si vous voulez devenir insensé, commencez à boire. Glou, 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 maillez. Commencez à sniffer, commencez la drogue, et là vous allez perdre le sens. La Bible dit, la prostitution et le vin, l'alcool, font perdre le sens. Vous devez au contraire, parents et amis, demander au jeune homme, à la jeune fille, ce genre de questions. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un homme qui a perdu son emploi parce qu'il s'abstenait d'alcool? Une autre question, est-ce que tu as déjà entendu parler d'une compagnie d'assurance offrant des meilleures primes réduites aux alcooliques? Jamais. As-tu déjà entendu parler d'une femme en train de dire à son mari, « Mon mari serait le meilleur au monde, mais il ne boit pas. » As-tu déjà entendu parler d'un enfant se plaindre parce que son cher papa n'arrivait pas à la maison le soir à moitié ivre? Je serais bien plus heureux si mon papa arrivait tous les soirs complètement ivre à la maison. Jamais de la vie. As-tu déjà entendu parler de parents qui s'opposent à ce que leur fille se marie parce que l'homme qu'elle aime n'était pas un alcoolique? Non, jamais. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme battre sa femme parce qu'il était sobre en rentrant à sa maison? Non. Dieu a placé des barricades,
des barricades morales dans ce monde. Il se peut qu'on n'aime pas ces barricades-là, mais autant essayer de passer par-dessus la loi de la gravité. Essayer de passer par-dessus la loi de la gravité. Enjamber la fenêtre du haut du 10e étage en disant « Non, non, moi je ne crois pas à la loi de la gravité. Enjamber, vous allez voir. » Vous n'aurez pas le temps d'y réfléchir, vous serez déjà dans l'au-delà. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Nos corps ont été créés pour être les temples du Saint-Esprit. Et non pas pour puer. Non pas pour sentir l'alcool, sentir mauvais. Non pas pour tituber, vaciller, vomir. Non. Dieu ne nous a pas créé des corps pour cela. Tout le Nouveau Testament nous encourage de garder nos corps, de les conserver irrépréhensibles, irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, l'Épître aux Thessaloniciens nous le dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Cette expression « posséder son corps », ça veut dire « contrôler son corps ». Paul a dit « je contrôle mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié ». Donc, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer donc à l'alcool, à la drogue, à des convoitises passionnées, et ainsi de suite. Pourquoi s'abstenir ? Pourquoi s'abstenir ? Les raisons pour l'abstinence. Nous avons lu un passage très intéressant tout à l'heure dans Proverbe 23. Pour qui les ors, les hélas ? Hélas ! Hélas, c'est jamais quelque chose de bon qui suit. Hélas ! Hélas ! Oh ! Ouais. Pour qui les disputes ? Bing bang ! Pour qui les plaintes, pour qui les blessures, sans aucune raison, pour qui les yeux rouges. Avez-vous remarqué les drogués, les yeux rouges, les alcooliques, les yeux rouges, un beau rouge, vous voyez. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Au lieu de rentrer à la maison, on va s'attarder, hein, il y a entre le 5 à 7, vous connaissez ça ici, particulièrement en Amérique du Nord, vous voyez, on va regarder les femmes, on va regarder les amis, oui, l'alcool, oui, je paye la tournée, blablabla, et ainsi de suite. Tout ce genre-là, alors que la personne devrait être à sa maison, rentrer de son travail, embrasser son épouse, prendre ses enfants dans ses bras, les aimer. C'est cela que le Seigneur demande. Mais attention à ceux qui s'attardent auprès du vin. Auprès du vin, voyez. Qu'est-ce qui relie tous ces gens-là? C'est l'alcool. Et ça en est rempli derrière. Et le barman, qu'est-ce que tu veux, tout ça? Bing bang, jusqu'à ce que la personne, voyez, en disant à une certaine heure, hein, il appelle un taxi, venez chercher monsieur, parce que là, il se roule dans sa vomissure, il n'est même pas capable de se relever. Pourquoi s'abstenir? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a aucun corps en bonne santé qui demande de l'alcool. Aucun corps ne demande particulièrement de l'alcool. Le cerveau et les membres travaillent bien mieux sans alcool. On veut nous faire croire le contraire. Prends un petit peu de vin, ça prend, hein, tout ça, juste un, tout ça, puis après un deuxième, on prend un troisième, ainsi de suite, voyez, ça va, tu vas te sentir costaud, fort, c'est bon contre le froid, tout ça, ah ouais. C'est tout des mensonges, et ça se véhicule au travers, évidemment, de la société depuis des siècles. L'alcool stimule, mais l'alcool ne nourrit pas, l'alcool ne fortifie pas un corps. Quoi que ce soit qui est gagné par le premier jet, le premier verre, on pourrait dire, eh bien, est perdu par la réaction qui va suivre. La personne commence à voir un peu moins, tout ça, c'est titubé. Hop. L'alcool, deuxièmement, est un irritant. C'est un irritant. Et vous savez pourquoi c'est un irritant? Parce que notre système
reconnaît la présence d'un ennemi à l'intérieur du corps. Et il essaie quoi? Le corps, de façon naturelle, essaie de rejeter cet ennemi et il essaie d'expulser la boisson comme étant une intrus. Raison pour laquelle les alcooliques vomissent. Le corps n'accepte pas. L'alcool est dangereux parce qu'il y a entre l'alcool une affinité directe avec le cerveau. Le cerveau. L'alcool est pour le cerveau, fonction cérébrale, comme une meute de chiens qui courent après une biche dans le bois. C'est ça que l'alcool fait. Ça touche à la raison. L'alcool, on boit, et ensuite il est dit dans la Bible, tes yeux se porteront sur des étrangères. C'est plus ta femme qui compte, c'est les étrangères, tout d'un coup. Il y a une relation avec la sexualité. Ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu vas commencer à parler, à dire des choses que tu n'as jamais dites auparavant. L'alcool va te pousser à ça. L'alcool aussi va former des habitudes. Ça recrute des esclaves, l'alcool. L'alcool veut faire des esclaves. Il n'y en a jamais eu autant d'esclaves que dans notre génération. C'est pas l'alcool, mais c'est le pain, les légumes, le steak, le lait, le verre de lait qui va satisfaire la vraie faim. Mais ça, c'est un appétit qui ne fait que des ravages, uniquement. L'alcool est encore ce que la Bible déclare un moqueur. Et la Bible est vraie. Proverbe 20, verset 1er, on l'a lu au début. Le vin est moqueur. Quiconque en est séduit n'est pas sage. N'est pas sage. Le vin est un moqueur. Et même quand il est prescrit comme médicament, ah oui, c'est encore plus souvent une couverture comme moyen de guérison. La Bible dit, à la fin, l'alcool finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic, une vipère. Écoutez bien ce que la Bible dit. Chaque mot est inspiré. Il finit. Il finit. Ça veut dire à la fin. À la fin, ça finit. Au début, c'est merveilleux, on sent bien, un petit nuage, tout ça. Oui. À la fin, la vipère va lever sa tête. Le cobra va lever sa tête. Paf! Il finit par mordre. Je dois être sobre. Je dois être vigilant. Je ne dois jamais traiter, je dirais, comme ce que la Bible dit, comme, je dirais, des menaces. Ce sont des avertissements, ce sont des bons conseils. Et ce que la Bible dit n'est pas une farce. Non, ce n'est pas une bagatelle. Le diable veut en faire une bagatelle. Le diable veut se moquer de la prédication de l'Évangile. Je dois être sur mes gardes, parce que Satan va se déguiser. Il va s'habiller en ange de lumière. Il va se draper de la bannière de l'efficacité. Ce sera plus efficace. L'accréditation. Tes amis, tes collègues, quand tu arrives et puis qu'eux boivent l'alcool, la bière, du vin, tout ça, tu dis, non, moi, merci beaucoup, 7-Up. Hein? 7-Up? Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hein? Eh bien, prenez votre position et dites, oui, je prends du 7-Up. J'aime Jésus. Il a changé ma vie. Hallelujah. C'est le moment de lancer votre témoignage. Hallelujah. D'aller au bord du plongeoir et de plonger, hallelujah, dans, je dirais, le témoignage que vous avez obtenu de la part du Seigneur à cause de la croix. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Il finit par mordre. Exactement comme la prostituée ou la femme étrangère. Il est dit qu'au début, les lèvres de l'étrangère distillent du miel. Son palais est plus doux que l'huile. Oh, qu'elle sait bien parler. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Donc nous avons besoin de faire attention. Chers amis,
le diable va dire, t'es pas éclairé, t'es pas à la mode, t'es pas comme les autres. Oui, c'est vrai, je suis pas à la mode, c'est vrai. Je ne veux pas être comme les autres non plus. Parce que j'ai découvert la vie en Jésus qui est nettement au-delà de tout ce que les païens peuvent vivre. La Bible dit, si tu suis l'alcool, les conseils de tes amis, si tu t'enivres, tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Aïe, ça n'a pas d'allure. On couche dans son lit, dans sa chambre. Un homme couché au milieu de la mer, la tempête va en faire une bouchée. Il suffit que le vent se lève, ça va être terminé. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Imaginez les navires à l'époque, donc il y avait tous des mâts. Et là, le gars, il monte là-haut et il se couche là-haut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu seras comme ça. Et tu vas dire quoi ? On m'a frappé, j'ai pas mal. Oh, j'en veux encore. Quand est-ce que je vais me réveiller ? La personne divague, dit n'importe quoi. Le diable sait comment agir. La Bible déclare qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dévorer. Et donc, on sait particulièrement que Satan est un agent menteur. Menteur. Il est le cheval de Troie. Il veut rentrer à l'intérieur de nos vies en se cachant. Il est une cinquième colonne. Il est un agent menteur. Il fait partie de l'espionnage de l'enfer. C'est un maître dans l'art de séduire, de tromper. Et son approche est toujours subtile, insidieuse. Il sait très bien comment murmurer, susurrer doucement à l'oreille. Un tout petit peu ne peut pas vraiment te faire de mal. Comment est-ce que ceux qui sont liés par la cigarette ont commencé ? Par une cigarette. Comment les alcooliques ont commencé ? Un verre. Ne peut pas te faire de mal. Un tout petit peu. Hein ? Ouais. Tout ce qu'il veut, c'est poser son pied dans votre porte. C'est ce qu'il désire. Votre adversaire, le diable, rôde, c'est un rôdeur. Il rôde comme un lion, rugissant. Il cherche, évidemment, à vous détruire. Il veut vous croquer. Il veut vous emmener dans l'enfer éternel. Alors, résistez-lui avec une foi ferme. C'est par la foi que l'on résiste au diable. Hallelujah. Je vous donner le conseil que la maman d'un certain roi a donné à son fils qui était devenu roi. On va le lire dans Proverbe 30. Proverbe chapitre 30. Et à partir du verset 1er. Moi, j'ai mis en haut de ce passage, j'ai écrit « Les femmes et le vin ». Les femmes et le vin. Parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère, sa maman, l'instruisit. Que disait sa mère ? Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. De peur qu'en buvant, tu oublies la Bible, tu oublies la parole de Dieu. J'aime vous dire que la croix est plus forte que la bouteille. Alléluia. Merci Seigneur. Engagez votre champion dans l'arène. Alléluia. Contre votre adversaire. Les Philistins ont trouvé qui était le boss. Rappelez-vous. Ils ont placé leur dieu poisson, Dagon, la statue, devant l'Arche d'Alliance. Le lendemain, la statue était par terre. Il ne restait que le tronc. Ils l'ont
remonté, le rafistolé, ils sont partis. Le lendemain, paf, encore par terre. Dieu ne peut supporter les puissances diaboliques. Dieu est vainqueur, évidemment, du dieu poisson, de Dagon et de tous les démons. Dieu va réduire ce faux dieu, l'alcoolisme, à l'impotence dans votre vie. Il va réduire l'ennemi et il va laisser seulement quoi ? Le tronc. Alléluia. Il ne lui restait que le tronc. Arrêtez de vouloir diriger tout seul votre vie. Devenez un serviteur, pas un esclave, un serviteur. Amen. Auparavant, vous étiez peut-être esclave de l'enfer. Devenez esclave du Seigneur. Le gouvernement, la domination repose sur l'épaule de notre Sauveur. Tournez, donnez la responsabilité de votre vie à Jésus, que lui-même la dirige. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous n'y arriverez pas. C'est lui qui va le faire. Alléluia. La bouteille de vin, la bouteille de bière, le joint, hein, la piqûre, je dirais de drogue, va se moquer de vous. Va se moquer de vous. Les bulles, le pétillant va vous hypnotiser. Le bar va vous réduire à un mendiant. À un mendiant. J'aimerais vous dire ce que la Bible dit. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule facilement. Prends, mon ami, aujourd'hui, le joug de Jésus sur ta vie et tu trouveras le repos. Le Seigneur est venu pour te délivrer. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Je prie pour cette femme liée par la bouteille, liée par l'alcool. Seigneur, merci de nous avoir donné un clin d'œil sur ce domaine ténébreux et obscur qu'est l'alcool ou la drogue. Alléluia. Nous ne voulons pas dire « la drogue est mon berger, la bouteille est mon berger ». Non, Seigneur, c'est toi notre berger et avec toi nous ne manquerons de rien. L'alcoolique va dire « la bouteille est mon berger » et elle me conduit vers la tristesse, vers la misère. Ô mon Sauveur, aujourd'hui nous voulons ta présence, nous voulons ta vie, nous voulons ton conseil. Je prie, Seigneur, pour ces gens qui sont liés actuellement par les forces diaboliques. Délivre-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, cloué sur la croix du calvaire, ressuscité d'entre les morts et qui revient bientôt. Merci, Seigneur, de toucher ce jeune homme, de toucher cette femme, cet homme, cette jeune fille, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine pour une autre. Que Dieu vous garde. Au revoir.